peut pas, en tant qu'être humain, se négliger au point de devenir comme ça. Il faut vraiment réagir avant, et puis parce que c'est pas possible. On n'a pas le droit de s'auto-détruire un petit peu en faisant pas attention à ce qu'on fait, et puis y en arriver là au bout de 30 ans quoi, finalement. Il y a eu quelques petites bêtises de fait, tu verras, j'ai tout noté. D'accord. Okay. Mais dans l'ensemble, j'ai fait très attention quand même. D'accord, ok. Si vous faites un régime, vous allez maigrir très rapidement, mais vous allez aussi reprendre très rapidement avec souvent du bonus. Et c'est un régime, on ne peut pas le garder à vie. Une alimentation équilibrée, on peut la garder à vie. Oui, voilà. Bon, après, j'en ai déjà fait l'année dernière, j'ai un temps à améliorer. Voilà. Tu n'arrives pas à trouver encore l'heure idéale pour mes petits déjeuners, quand je travaille en tout cas. 6 heures c'est trop tôt puisque j'ai faim. Ouais. 10h30 c'est trop tard parce qu'après j'ai plus faim à midi. Ouais. Il faudrait que je déjeune à 9h, mais ça m'est impossible. C'est pas possible. Il n'y a pas d'enjeu majeur. Après, c'est plus des enjeux propres et personnels à soi-même. Quoi. Mm-hmm. Mais, Ou alors le pain confiture avant de partir et yaourt fruit à 10h. Ce qui permet de ne pas trop manger à 7 heures, mais quand même un féculent. Si tu manges un yaourt ou un fruit, ou même les deux, tu auras peut-être un petit peu plus faim, ça passera mieux. On a rééquilibré la journée alimentaire. Donc au début, c'était un peu plus déstructuré. On a essayé de la restructurer en partant d'un bon petit déjeuner, d'un déjeuner équilibré et le dîner plus léger. Ce qui peut vraiment déclencher la perte de poids et éviter tout ce qui est fringale ou grignotage, qui freine vraiment la perte de poids et qui provoque souvent une prise. Allez! Ah, si, je vous avais oublié. On va dire entre 22h30 et 23h. Tu travailles? Oui. Combien d'heures tu fais par jour? 3 heures minimum, 4 heures maximum. La durée entre le moment où tu arrives chez toi et le moment où tu manges, il y a combien de temps? Est-ce que tu ressens l'envie de faire une activité en plus de ton activité professionnelle? En fait, ce qui domine vraiment dans ce genre de questionnaire, c'est pas le temps forcément où vous faites quelque chose, mais le temps où on fait rien. Et c'est celui-là qui augmente. Où on fait pas grand-chose, où le corps est inactif. C'est celui-là qui augmente. Et dans les générations futures, c'est celui-là aussi qui a tendance à augmenter. Comment dire, pas de peur. On va dire 10 minutes, 10 minutes en voiture, ouais. 10 minutes à 15 minutes. Je pensais pas quand même. Je pensais pas que je pouvais, j'avais 4 heures devant moi pour faire des choses. Il n'y a pas besoin de devenir marathonien pour être maigre, hein. Il suffit de prendre une demi-heure par jour de marche ou d'activité physique, hein, pour avoir une dépense énergétique suffisante. C'était insurmontable. Insurmontable parce que, comme je vous dis, en plus j'avais des tendinites à chaque cheville. Donc à chaque fois que je faisais un pas, c'était douloureux. Puis bon, après, c'est pareil physiologiquement, frottement des jambes hein, quand vous êtes obèse. Voilà. Moi je suis une battante, hein. Je suis une guerrière, je suis une battante. Moi à ce moment-là, je me dis bah, tant pis, oublie la douleur et vas-y, continue. Donc je me pose 5 minutes, puis je repars.
une victoire. Une victoire sur beaucoup de choses. Sur la vie, sur vous-même, sur les gens qui ne croient pas en vous, sur tout ça, quoi, finalement. Ça fait des années. C'est une bataille constante, finalement. On se bat constamment contre sa nature, finalement, parce que voilà, une personne obèse, sa nature, c'est de manger, sa nature, c'est de pas faire de sport parce que voilà, on n'a pas l'habitude. C'est une victoire avec un grand V. Vraiment.